tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, c'est par rapport à mon partenariat avec Seven Great. Donc Jen m'a contacté le 23 février. J'ai répondu presque tout de suite ou le lendemain. Ça a été finalisé pareil tout de suite et j'avais reçu la toile le 8 mars. Donc j'avais prévenu Jen que j'étais très en retard dans mes projets, que j'avais beaucoup de projets en cours et que ça allait sûrement prendre du temps avant que je fasse la réalisation de la toile. Elle m'avait dit qu'il n'y avait aucun souci. Je vous avais déjà fait l'unboxing. Elle avait eu la vidéo, elle était très contente de la vidéo. Donc là, on passe à la réalisation et c'est sur cette toile-ci. Voilà, très belle image. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est une très belle image. Voilà, dans les tons que j'aime bien, un coucher de soleil, un dégradé de vert, de bleu nuit. À ma grande surprise, quand j'avais fait l'unboxing, j'avais vu que j'avais pas de 310. Donc c'est une très bonne nouvelle. J'ai beaucoup de 939 et de 823, mais j'ai pas de 310. Donc dans l'unboxing, je vous avais dit, c'est une toile qui a 40 couleurs. Le patron était comme ceci. Voilà, c'est une toile en 11 CT que je vais faire en deux brins. Elle fait 34 par 59 cm et c'est une 125 points par 233 points. Voilà, je vous remets l'image, elle est juste magnifique. Donc pareil, alors là c'est une vidéo par rapport au partenariat. Je vais la faire vraiment à mon rythme, sans délai, sans date, toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois. Je ne sais pas comment je vais avancer. Voilà. J'essaie de pas me mettre la pression comme je l'ai fait en début d'année. Les défis de Karine, les toiles où vous savez, je tournais sur 8 toiles. Je vais stopper un petit peu pour l'instant et je vais vraiment me consacrer à mes défis et enfin mon défi avec Vanessa, surtout que j'ai eu un petit problème avec la toile, mais ça je vous expliquerai quand ça sera mon tour de faire la vidéo. Donc je vais me consacrer à mon projet avec Vanessa, mon duo avec Yvette sur la toile croûte. Et je vais m'occuper des partenariats. Les vidéos qui sont en attente, je vais les faire. Et après, je recommencerai les toiles avec Karine. Mais pour l'instant, je vais faire le plus urgent. Voilà, le partenariat. Donc, c'était une toile. Je vous avais fait l'unboxing. Elle est surfilée de partout. C'est une grande toile. Elle est dans ce sens. Hop, voilà. Donc vous voyez qu'elle n'est pas du tout commencée pour l'instant. Les fils, je les ai tous pointés, je les ai tous mis sur mon petit anneau dans l'ordre. Vous savez, hein, je numérote en fait. Là, c'est la référence DMC et du coup, je me réfère à la référence DMC pour le numéro de la couleur et je les mets tous dans l'ordre. Donc là, on a le 18, après on a le 19, 20, ainsi de suite. Voilà, c'est tout dans l'ordre, comme ça je m'embête pas quand j'ai à chercher une couleur. Comme d'habitude, je vais avancer de mon côté et je vous ferai des photos ou des vidéos, peu importe, suivant mon avancée et suivant quand est-ce que j'aurai avancé. Voilà. Donc je ne sais pas encore comment je vais la travailler. Je ne sais pas si je vais la travailler par zone, je ne sais pas si je vais définir des cases ou si je vais faire couleur par couleur. Elle est quand même assez bloc, mine de rien.
Il y a des grandes zones, donc je ne sais pas si je ferai pas ouais, couleur par couleur ou par bande, je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Je vais voir. Elle n'est pas très large, hein. Elle est plus longue que large. Donc ouais, je sais pas. Peut-être faire par bande. Effectivement, peut-être par bande. Allez, je vais voir comment je m'organise et je vous fais les premières photos tout de suite à la suite. Ciao, ciao, prenez soin de vous, bye bye. Alors pour vous, il y a quelques minutes qui se sont passées, moi il y a quelques mois qui se sont passées. C'est pour clôturer cette vidéo. Ça y est, j'ai terminé ma toile du loup. Vous avez vu la photo du résultat final juste avant. Je ne peux pas vous la montrer là tout de suite, la toile, parce que je l'ai offerte. Je l'ai offerte à mon ami, c'était pour son anniversaire. Donc le cadeau a été offert. Il était très ému et très touché. Il adore la photo, il adore l'image. Donc, bah, j'étais contente d'avoir réussi mon projet. Je tiens à remercier infiniment Seven Great qui m'a fait confiance pour ce projet, pour ce partenariat. Cette toile était très très agréable à réaliser. Elle était un peu rêche au démarrage, mais en fait, très très vite au fil du temps elle s'est assouplie et c'était vraiment très très agréable à faire cette toile. Au début, comme vous l'avez vu, j'ai commencé par ligne. J'ai fait les 20 premières ou les 30 premières lignes où j'ai fait réellement volontairement exprès de faire ligne par ligne. Et puis après j'ai fait comme je fais très souvent, j'ai fait par couleur. Voilà. Comme ça, je savais que je finissais une couleur, il me restait plus que tant de couleurs à faire. Voilà, après c'est un choix. La toile n'était pas non plus très grande dans le sens où se focaliser couleur par couleur était gênant. Donc voilà, ça ne m'a pas perturbée, ça n'a pas détendu plus que ça la toile. C'est un résultat très uniforme. Donc, pas de souci, je remercie infiniment Seven Greats pour ce partenariat. J'espère qu'il y en aura d'autres. Comme promis, je vous fais la vidéo pour clôturer ce projet et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye bye, prenez soin de vous.